femmes jockeys qui vont être en piste dans cette épreuve. Un forfait, celui du numéro 11, Kazen. Elles sont encore doux sur la distance de 2000 mètres et ils sont tous dans les stalles. Et celle-ci qui s'ouvre à l'instant même. On est parti dans ce 7e rendez-vous pour la distance donc de 2000 mètres. Avec en dehors le 8, Saga West, qui s'est montré l'un des plus rapides. Mais à la corde, on sprint également avec le numéro 3, Mordga, en pleine piste. On a le numéro 5, Sorellino, avec à son extérieur maintenant le numéro 9, Rolex Borget. Le numéro 13, Ultra Appeal, est au centre en 5e position, avec à la corde le numéro 4, Valir, votre favori qui vient. Devant encore le numéro 2, Representing, alors que Bedali, le numéro 7, est isolé. Enfin, il est plutôt à flanc de peloton dans le sillage du numéro 8, Saga West. Allure qui est très régulière sous l'impulsion du numéro 5, Sorellino. Les concurrents qui se dirigent devant le château. Dans son sillage, on a le numéro 3, Mordga, avec Rolex Borget. En dehors, on a Representing avec Saga West, suivi de Bedali. Ultra Appeal est au centre. Valir, le numéro 4, vient plutôt le long de la corde, avec un peu plus loin le numéro 1, Arnuero. On est dans le tournant final désormais, avec toujours ce numéro 5, Sorellino, qui a l'avantage devant le numéro 3, Mordga. Saga West toujours en épaisseur, devant le numéro 13, Ultra Appeal. Rolex Borget, le numéro 9, est au centre, avec Valir, le numéro 4, qui progresse le long de la corde, devant l'As Arnuero. Representing vient en dehors lui aussi, avec également le numéro 7, Bedali, ainsi que le numéro 10, Mounir. On va maintenant entrer dans l'ultime ligne droite avec Sorellino, toujours le numéro 5, quel avantage. On vient de faire galoper maintenant avec le numéro 3, Mordga, qui est à son extérieur. Attention, numéro 9, Rolex Borget, devant Ultra Appeal. Valir est à la corde, Arnuero qui vient ensuite, avec également le numéro 2, Representing, alors qu'on est rentré dans les rangs avec les numéros 7, Bedali, et 8, Saga West, à 350 mètres du poteau maintenant, avec le numéro 3, qui est donc Mordga, qui vient attaquer l'animateur numéro 5, Sorellino. Et voilà, Valir maintenant qui est décalé par sa partenaire. On vient également avec Rolex Borget, on est lancé également avec le numéro 1, Arnuero, à 150 mètres du poteau, avec Morgan numéro 3 qui lutte toujours avec le numéro 4, Valir. Arnuero également numéro 1 qui termine de mieux en mieux devant Sorellino qui se défend bien, avec le numéro 3, Mordga, qui a l'avantage. Valir qui tente de l'attaquer, Arnuero également qui tente de revenir, mais Mordga numéro 3 qui repart du plus belle et qui va s'imposer. La deuxième place pour le 4, Valir, la troisième place pour l'As Arnuero, et c'est l'animateur, le numéro 5, Sorellino, qui va prendre en léger retrait la quatrième place. Pauline Boisgontier qui s'impose dans cette épreuve avec le numéro 3, Mordga. Il y avait 5,20€. Le 4, Valir, deuxième à 2,80€.